de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mars. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Bien sûr, je n'allais pas faire un vlog sur le mois de mars sans vous parler d'Ostara. Donc, j'ai pris le texte ici. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même très long. Mais c'est quand même pour vous replacer ce sabbat dans son contexte. Donc, Ostara, l'équinoxe de printemps. Autre nom, Éostre, Alban Elir, premier jour du printemps, fête des arbres, Pâques. Au niveau de la période, sa date est fixée astrologiquement lorsque le soleil fait son entrée dans le signe du bélier. Cette année, Ostara aura lieu le 20 mars, ouvrant ainsi la jolie saison du printemps. Donc, le texte que je vous lis, parce que j'ai oublié de vous montrer, est tiré de l'agenda Parole de sorcière de cette année, donc 2022-2023, puisque vous savez que les dates des saisons changent parfois légèrement d'année en année. Donc ici, on est bien sur l'année 2023 pour le 20 mars. Si pour une bonne partie du mois de mars, nous sommes encore en hiver, les énergies du printemps tout proche se font déjà ressentir. Le gazouillis des oiseaux dès le lever du soleil ne trompe pas et leur frénésie est contagieuse. Les matins sont encore frais. Oui, ça je confirme. Mais les premières fleurs sont déjà là. Violette, primevère, coucou, pâquerette et pissenlit commencent à colorer le bord des chemins. Bon, évidemment, moi je vous tourne la séquence, on est fin février. Les premières graines sont prêtes à être semées au chaud pour être repiquées en pleine terre à Beltane. C'est le début du zodiaque tel que nous le connaissons, avec le signe du bélier, le nouvel an astrologique en quelque sorte. Placée sous l'égide de la déesse Éostre, déesse anglo-saxonne de la fertilité, vénérée dans d'autres cultures sous les noms d'Ostara, germanique, Éos, grec, ou encore Flora, romaine, les célébrations du printemps sont encore aujourd'hui teintées de nombreux symboles païens. Le printemps est la renaissance périodique de la nature, c'est le retour, la résurrection, et donc rien d'étonnant à ce que la Pâque chrétienne célébrant la mort et la résurrection de Jésus soit calée à cette période. Bien entendu, en sachant que la fête de Pâques ne se fête pas toujours au mois de mars, mais est quand même souvent décalée au mois d'avril. Bien entendu, nous avons une carte Ostara dans cet oracle, donc l'oracle Wicca de Nada Mézard, Lunaya Weatherstone et illustré par Chatria R. Emmaranvibul, j'arrive jamais à le dire. Donc moi j'ai la version multilingue de l'Oscarabeo. Je ne peux pas vous dire s'il est déjà sorti chez Intuitive. Je suppose qu'il va l'être puisqu'ils sont en train de ressortir tous les jeux qui étaient chez l'Oscarabeo. Donc voici la carte d'Ostara où on retrouve bien le symbole du printemps avec l'arbre qui commence à faire des feuilles, avec le lapin, avec des fleurs qui sont des violettes et avec les œufs. Ça symbole vraiment d'Ostara et c'est pour ça que ça a été repris à Pâques, bien entendu. Alors, nous avons Ostara, le message. La créativité abonde. C'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce que vous croyez. Alors, on a une petite affirmation. Je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau et un petit défi vous est proposé. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi ?
Alors, un deuxième oracle dans lequel j'ai trouvé la carte d'Ostara, enfin j'ai choisi de prendre la carte d'Ostara, c'est l'oracle des murmures, donc de Marie de Lubiloun et d'Ashkolorod. Donc moi j'ai la version Mass Market qui est parue chez Arcana Sacra. Et donc voici la carte. Voilà. Donc avec comme mot-clé l'éveil, nous avons comme mot-clé renaissance, éclosion, émerveillement. On a une formule sacrée, donc comme une affirmation, et vous allez voir que eh bien, c'est quand même très similaire. Je ressens l'énergie du vivant. Je vais peut-être vous le mettre, parce que je voulais que vous voyiez les cartes. Je ne sais pas trop si je peux tout mettre. On va voir ce que ça donne. Vous verrez pas. Je vous remontrerai les cartes après. Alors, son essence, j'ai attendu le temps qu'il faut. Et enfin, tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Oh, lueur encore, aujourd'hui timide, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. On a maintenant les murmures de la carte. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte de saison, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau, elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. En équilibre, quelque chose s'éveille en vous. Et le conseil, admirez la vie éclore sous vos yeux. Alors, encore une carte en lien avec Ostara et qui est donc tirée cette fois de l'oracle mythique de Carisa Mélado et illustrée par Michel Liffelan. Donc, je vous ai déjà montré la carte d'Arès, mais il se trouve que dans ce jeu figure également la carte Eos, comme nouveau départ, donc qui est en fait la déesse qui est attachée à Ostara, comme vous l'avez entendu dans le texte que je vous ai lu, tiré de l'agenda Parole de sorcière. Donc comme mot-clé, nous avons nouveau départ. Alors, je vais vous lire le mythe, comme ça c'est quand même intéressant. Eos, fille des titans, Hyperion, dieu de la lumière, et Théa, déesse de la lumière céleste. Elle est la sœur d'Hélios, le soleil, et de Séléné, la lune. Elle incarne l'aurore. Chaque jour, elle s'élève du fleuve océan et ouvre les portes du ciel pour qu'Hélios les franchisse sur son char et illumine le firmament. D'une incroyable beauté, avec les doigts rosés, des bras dorés et de grandes ailes blanches. Elle est souvent représentée portant une tiare et une robe jaune tissée de fleurs. Alors, le message qu'Eos a pour vous, si vous avez tiré cette carte, l'aurore est là. La longue et sombre nuit touche à sa fin et vous vous trouvez à l'aube d'un jour nouveau. Cette carte se présente avec un regain d'énergie car toutes les possibilités s'offrent maintenant à vous. C'est le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'élaborer des projets, de trouver des idées et d'être réceptif à votre inspiration en plein essor. Le moment est parfait pour de nouveaux départs, ce que vous projeterez dans le monde. Ne soyez pas surpris si les occasions se présentent à votre porte, comme des réunions imprévues, des cadeaux ou des invitations. Profitez pleinement de cette période et laissez-vous guider par l'univers et par votre voix intérieure. Un jour nouveau est apparu dans votre vie, alors fêtez-le et appréciez-le. Un voyage vous attend. C'est le voyage du printemps. Donc voilà pour cette séquence sur le printemps, sur Ostara, qui est quand même un des événements les plus marquants, on va dire, du mois de mars. Alors, dans cette séquence, je vous propose un tirage pour Ostara, un
de mes tirages que j'ai glanés au fil du temps. Et celui-ci, je l'ai donc recopié dans un grand cahier dans lequel je mets des tirages et des questions pour des challenges. Parce que parfois, il n'y a pas, c'est pas vraiment un tirage, c'est plus un challenge parce qu'il n'y a pas de disposition de tirage. Dans celui-ci, il y en a une et donc vous la voyez devant vous. Et je vais vous donner donc la convention de tirage. Donc la carte 1, c'est ce qui a besoin d'être équilibré pour trouver l'harmonie. La carte 2, ce qui est nécessaire pour planter de nouvelles graines. La carte 3, la 3, ce qui est prêt à naître. La carte 4, ce sur quoi je peux m'appuyer. Et la 5, au milieu, c'est comment je peux profiter des énergies du moment. Donc je vous le remets. J'essaie que vous ayez tout dans le champ. Voilà, comme ça, si vous voulez faire pause, vous pouvez noter et vous le faire d'une manière plus personnelle, bien entendu. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. J'ai utilisé le tarot de la roue de l'année que moi, j'ai en version multilingue de chez Los Carabeo. Parce que tous ces jeux-là qui sont en train de sortir pour le moment chez Intuitive, moi, je les avais déjà achetés. Et donc, bien entendu, je les ai gardés. Je ne vais pas les racheter uniquement en français. Généralement, ce sont des tarots dont le petit livret ne sert absolument à rien. Parce que ce sont des tarots qui sont totalement en référence avec le rider. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré pour trouver l'harmonie? On va voir ce qu'on a. On a le 2 d'épée. Et donc, je dirais que ce qui a besoin d'être équilibré, c'est notre mental. C'est peut-être... cette notion de dualité, est-ce qu'on n'est pas encore pour certaines choses trop dans la dualité? Est-ce qu'on ne se laisse pas encore trop influencer par le mental au détriment de ce qui jaillit vraiment en nous? Vous savez, au printemps, justement, il peut y avoir comme ça des jaillissements en nous, je crois. C'est le renouveau, c'est la sève qui monte. On peut avoir des choses, des idées, des choses qui ont envie de fuser. Mais peut-être que on se laisse trop influencer par notre mental, par nos peurs, en se disant « non, je ne peux pas faire ça, ça ne marchera pas » ou ce genre de choses-là. Et où finalement, on se laisse trop prendre par nos peurs. Alors que ben, on pourrait très bien trancher en faveur de notre âme, ou en tout cas de notre énergie vitale qui nous pousse à faire de telle ou telle chose. Ensuite, ce qui est nécessaire pour planter de nouvelles graines, et nous avons le cavalier de coupe. Et donc je dirais, on a besoin de quoi ? Eh bien, on a besoin un petit peu... Déjà, on a besoin d'amour. On a besoin de le faire avec le cœur. Comme vous voyez, cette carte est très printanière. Au contraire de l'autre qui était un peu automnale. Hein, et qui pourrait peut-être nous dire, avec aussi les feuilles qui volent au vent, c'est de laisser tomber justement les anciens schémas du mental. Vous voyez ? C'est d'être dans une énergie plus d'automne, de lâcher un petit peu. Ils sont quand même dans une grande châtaigne, là. Ils en ont retiré la châtaigne et ils ont la bogue, là. Et donc, peut-être de laisser justement tomber des anciens schémas du mental pour agir beaucoup plus à partir du cœur. Parce que vous voyez, là, on a le renouveau, on a les jonquilles. On a le symbole du printemps. On a les papillons, donc une certaine légèreté. Donc, on a probablement besoin d'une certaine légèreté, d'agir à partir du cœur, avec cette énergie de printemps,
on a peut-être une certaine candeur aussi, vous voyez, une certaine, on va pas dire naïveté, mais une certaine innocence un petit peu de ce cavalier de coupe qui est quand même un petit peu un grand romantique, hein. C'est un petit peu l'amoureux, hein, on va dire. Donc, cette légèreté de l'amoureux, de ce côté romantique qui peut renaître aussi au printemps, bah, de cet amour, à la limite, d'être amoureux de la vie. Peut-être que c'est ça qui nous est nécessaire pour planter de nouvelles graines. C'est d'y croire. C'est de croire que, effectivement, c'est possible. Alors, ensuite, on a la 3, ce qui est prêt à naître. Alors, on va voir ce qui est prêt à naître. Alors, nous avons le 8 d'épée. Eh bien, le 8 d'épée, qu'est-ce qui est prêt à naître? Eh bien, justement, la libération du mental. Regardez, par rapport à ça, on peut laisser tomber, c'est prêt, on est prêt. Si on agit avec le cœur, si on retrouve une certaine candeur, si on se place plus en amoureux de la vie, eh bien, on peut se libérer. Vous voyez, on peut tout à fait se libérer de ces épées, de ce mental qui nous accable. Hein, vous voyez, ici, elle ferait presque penser à un œuf d'épée, cette carte. Mais vous avez la maman qui est là justement pour rassurer l'enfant qui a l'air un peu fiévreux, un peu malade. Ou en proie peut-être à des pensées un petit peu angoissantes, hein, à des cauchemars, parce qu'on voit clairement qu'on est quand même pendant la nuit. Donc peut-être que s'il était malade, on n'a pas nécessairement mis une scène de nuit, mais on a la maman qui est là pour libérer des pensées enfermantes. Donc ce qui est prêt à naître, c'est que on peut agir comme avec une énergie toute maternelle envers nous-mêmes et nous libérer de ces pensées en disant tout va bien se passer, il n'y a pas besoin de se laisser prendre par les peurs du mental. Donc on est prêt à se libérer du mental. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Et nous avons le 6 de coupe. Eh bien, justement, encore une fois, regardez un petit peu, on est quand même ici un peu dans la même énergie. On peut s'appuyer sur cet esprit de l'enfance, sur peut-être cette nostalgie. On voit ici la dame qui contemple le souvenir de son couple. Mais on ne sait pas, quand on la voit comme ça, elle n'a pas nécessairement l'air triste. Et vous voyez que les coupes, elles sont debout. Donc peut-être qu'elle est juste dans la forêt, ou dans la nature, parce que je ne sais pas si c'est vraiment la forêt. Et peut-être juste elle pense à son mari, hein, ou à son conjoint. Mais peut-être qu'il est bien là, hein. Peut-être que quand elle va rentrer à la maison, il va l'attendre. Donc, je ne ressens pas dans cette carte, vous voyez, elle est très printanière, encore une fois, je ne ressens pas de tristesse. Peut-être que si on regarde la carte, peut-être étaient-ils tous les deux plus jeunes, peut-être qu'elle se rappelle un bon souvenir de leur jeunesse. Donc, on peut s'appuyer peut-être sur les bons souvenirs. Sur ce que on a déjà vécu comme bonne expérience pour se dire, allez, je peux me libérer de mes peurs et tout va bien se passer. Tout va absolument bien se passer et je peux m'appuyer sur des choses qui ont fonctionné, sur des choses heureuses, sur des souvenirs heureux. Et enfin, comment je peux profiter des énergies du moment. Et donc, nous avons le 5 d'épée.
bien là, peut-être qu'il va vous falloir batailler avec votre mental. Peut-être bien que pour vous libérer des fameuses peurs de votre mental, hein, de la dualité, eh bien, on dirait que vous allez devoir batailler. Ça ne va peut-être pas être tout simple. Ça ne va peut-être pas se faire tout seul. Peut-être que votre mental va être effectivement assez envahissant. Peut-être bien que, effectivement, vous êtes prêt à vous libérer. La libération, elle est là, elle est toute proche, elle est à portée de main. Mais on dirait bien que ça ne va pas se faire d'une manière toute... comment est-ce que je vais dire, moi? Peut-être pas toute simple, mais parce que ça ne va peut-être pas être très compliqué. Mais peut-être bien que, d'une manière innée, vous allez revenir à vos anciennes habitudes. Hein? Peut-être bien que vous allez revenir à vos anciens schémas de pensée et qu'il va quand même falloir agir et empoigner votre mental, d'accord, pour lui dire « Non, mais ça suffit là maintenant, c'est bon, hein? Je ne t'écoute plus. Moi, je suis poussée à agir à partir du cœur. » Ça a déjà marché par le passé, et donc, tais-toi, mental, tais-toi. Voilà ce que je peux en dire pour ce tirage d'Ostara pour le mois de mars. Et dans cette séquence, je vous présente donc le tirage de la saison du Bélier, qui est donc tiré des 111 tirage pour votre évolution au quotidien de Bella Ismery, donc qui est un bouquin que je vous recommande si vous n'avez pas de bouquin de tirage, parce que d'abord il en comporte beaucoup, parce qu'il est au prix de 16,90€, 16,90€, et que il couvre tous les sujets et qu'il est vraiment vraiment très bien fait. Alors, donc celui de la saison du Bélier, je pense que comme ça, vous le voyez. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte qui représente la saison du Bélier. Donc, moi, dans ma formulation, quand je tire les cartes, je demande la carte qui représente l'énergie de la saison. La carte 2, quoi de nouveau à l'horizon? La carte 3, comment cela affectera-t-il mon environnement? La carte 4, comment dois-je agir pour rester en pleine conscience de l'instant présent? Et la carte 5, quel est mon potentiel caché pour cette saison? Voilà, comme ça, si vous voulez le refaire, si vous n'avez pas le livre et que vous voulez le refaire, vous pourrez vous le faire d'une manière plus personnelle, puisque ici, c'est un tirage, évidemment, beaucoup plus général, mais c'est pour vous donner une idée. Et j'ai utilisé l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, parce que je trouve que c'est un jeu qui a une énergie très printanière déjà aussi, que bon, j'ai voulu faire aussi un tirage avec un oracle. Je me suis dit que c'était intéressant. Parce que moi, je fais autant des tirages avec les oracles qu'avec des tarots. Ça dépend vraiment très fort. Que justement, dans ce livre, on vous dit bien que c'est conçu pour utiliser avec les oracles et les tarots. C'est généralement le cas hein, des tirages, mais il y a quand même des tirages où il faut un petit peu les modifier si vous voulez les utiliser avec des oracles, parce qu'il y a des fois des choses vraiment spécifiques au tarot. Ça peut arriver. Donc, nous allons tout de suite voir ce que ça donne. Donc, quelle est l'énergie de la saison du Bélier? Eh bien, nous avons l'abondance. Ben tiens, est-ce qu'on a besoin de détailler l'abondance? Ben oui. C'est la saison, c'est le printemps qui commence. On va être dans une abondance de la nature, le renouveau, une abondance de lumière.
une abondance peu à peu de chaleur. Oui, je pense que ça va être bien. Et donc, ça nous dit quand même que on peut s'attendre à une certaine abondance cette année. Alors, je ne vous parle pas nécessairement d'abondance financière, quoique, hein, parce que bon, vu le contexte actuel, ce serait peut-être un petit peu un pari risqué. Mais pourquoi pas pour certains d'entre vous, je veux dire. Pourquoi pas? Et il faut savoir que c'est quand même moi qui tire les cartes pour un tirage général, mais généralement le tirage me concerne aussi. C'est quand même très rare quand je fais un tirage comme ça que je sois exclue du tirage. Et c'est pas impossible que justement pour moi il y ait des petits changements à ce niveau-là durant le printemps. Donc voilà, abondance. Ensuite, quoi de nouveau à l'horizon? La grandeur céleste. Très bien. Je pense que on va avoir quand même quelque chose d'assez posé au niveau spirituel. J'ai l'impression que vous allez quand même assez bien. Pouvoir être assez aligné, on va dire. Je ressens comme quelque chose d'assez aligné, où vous allez pouvoir assez bien incarner votre vibration la plus élevée. Ensuite, comment cela affectera-t-il mon environnement? Voyage initiatique. Eh bien, on dirait que ce tirage est extrêmement parlant. Parce que, évidemment, si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien connecté à votre partie, moi j'aime bien de l'appeler la partie divine, mais en fait, oui et non. Parce qu'au départ, il y a quelques années de ça, ça me bloquait en fait, de dire ma partie divine. Parce que toutes nos parties sont divines, évidemment. Mais il y a des parties plus matérielles et puis il y a des parties plus immatérielles, on va dire. Et donc, je parle de celle-là, de cette partie qui est plus immatérielle, de nos énergies plus élevées, de nos vibrations plus élevées que celles du corps humain qui est plus basse, pour pouvoir être fait de matière, hein, même si la matière est une illusion. Mais ça va nous permettre la connexion à cette vibration, à nos parts invisibles, va nous permettre ce fameux voyage initiatique. Donc, on va peut-être apprendre de nouvelles choses ou arriver à intégrer de nouvelles choses réellement lors de cette saison du Bélier, donc qui va commencer fatalement avec le printemps, donc plutôt fin du mois. Hein. Donc le tirage, il est fait quand même assez bien à l'avance. Alors, comment dois-je agir pour rester en pleine conscience de l'instant présent? Alors là, nous avons la transmission. Donc, on dirait bien, moi je dirais que là, pour le coup, c'est d'écouter ce qu'on vous transmet. Pour le coup, je ne pense pas que c'est vous qui avez à transmettre dans ce cas-ci, puisque c'est comment dois-je agir pour rester en pleine conscience de l'instant présent. Ça peut être les deux. Parce que peut-être qu'on va vous demander d'être relativement attentif à ce que vous transmettez. Et il me vient quelque chose, parce que tout à l'heure, juste avant de commencer mes tournages, là, parce que j'ai tourné quelques séquences, je ne sais plus ce que j'étais en train de chercher justement de sortir des jeux pour tourner les séquences, et je fais quelque chose un peu de travers, on va dire. Et encore une fois, voilà, je me parle mal à moi-même. C'est vraiment une habitude que j'ai et dont j'essaie de me débarrasser parce que vous savez que les accords toltèques,
Il commence par soi-même, donc que ta parole soit impeccable, c'est en premier par rapport à soi-même. Si on arrive à avoir une parole impeccable envers soi-même, on va l'avoir envers les autres automatiquement. Et je me rends compte que, à longueur de journée, je me dis, mais que je suis bête, enfin, ce genre de truc-là. Et donc, peut-être que on a justement, et le fait d'y penser me revient, me remet dans l'instant présent. C'est pour ça que je pensais à ça, parce que je me rends compte que c'est un langage automatique. Et quand j'y fais attention, quand je suis attentive justement à ce langage que j'ai envers moi, donc à ce que je transmets sur le moment par ma parole, ça m'oblige à revenir au moment présent. Puisque d'une manière innée, c'est pas ce que je fais. Donc c'est vrai que être attentif à ce qu'on transmet nous permet de rester dans l'instant présent et probablement aussi d'écouter ce qu'on vous transmet, d'écouter une certaine guidance. Et quel est mon potentiel caché pour cette saison? Alors, nous avons l'hiver. Donc, je dirais bien que c'est de sortir de l'hiver, justement. Et là, on va peut-être aller prendre le bouquin pour voir si j'ai une autre idée, parce que la carte là, il y a peut-être d'autres choses à aller retirer. Donc, les mots-clés sont attente, retard, pause. Donc, la question, c'est mon potentiel caché pour cette saison. On va lire. Rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent, immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Voilà, c'est probablement ça. Le potentiel caché pour la saison, c'est de pouvoir prendre son temps. On ne va pas se précipiter. Vous vous souvenez, on va agir à partir du cœur aussi. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience, d'où la conscience de l'instant présent. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Et la parole de fée, c'est « il faut toujours un hiver pour bercer un printemps ». Et ça tombe donc à pic, puisque nous allons entrer dans le printemps. Et probablement que ce fameux voyage initiatique va être que on va arriver à peut-être un peu plus lâcher prise sur les choses qui ne sont pas encore réalisées. Et pour nous permettre l'abondance, peut-être qu'il va falloir, voyez la grandeur céleste, on parlait d'écouter son intuition. Donc je pense que ça parlait de ça, je vous l'ai dit tout de suite, c'est d'être aligné, hein. Donc d'écouter votre vibration supérieure. Là aussi, j'avais le message d'écouter votre guidance. Et donc, d'agir à partir du cœur, d'agir à partir d'une vibration plus élevée, ce qui veut dire que peut-être vous n'allez pas foncer tête baissée comme le bélier. Peut-être que votre potentiel caché pour cette saison, c'est que votre voyage initiatique va être que vous allez être capable justement de prendre un peu de temps pour laisser maturer les choses avant d'agir. Moi, je dirais ça.
pour ce tirage de la saison du bélier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!